What? Wow. Non mais toi tu la peux dans l'escalier, c'est pas autorisé ça. Les PNJ qui commencent à passer dans l'escalier quoi. Je vais bug. Pas les PNJ. Alors il est bien. Non il est nul. Ouais. Bah, il est tout bugué mais à part ça il est tout bugué. Waouh. C'est pareil pour la pré-sortie de Doom, il y a plein qui se plaignent, c'est ça bug de partout. Je suis content d'avoir fait lui date alors je prends du coup. J'ai eu des photos de gens sur Dark Souls 3 qui avaient sur Play où les couleurs sont toutes buggées. Et il y a fait. Il y a certains côtés. Non mais enfin, il y a plein de moments, tu sens que le jeu il est pas fini quoi. Ouais, From Software, de toute façon ils sont mini, on les connaît pas pour c'est pas pour la qualité du codage de leur jeu qu'on les connaît. Non mais enfin c'est un peu triste parce qu'il est vraiment bien mais quoi putain mais sérieux les ressources de tout avant le trombagnon il aurait peut-être pu s'en mettre droit mais revois les boss plus tard, c'est les mêmes trucs qu'au début, y'a pas de boss du début. Non, justement, l'octopus tu le fais dans le jeu, tu le fais pareil par contre. Le Bonger, tu le fais au. Au missile. Azuka et le Tipago tu le fais au. Feu. Et le feu, tu le bourres juste si pas son dash. En fait, tu peux l'infiniser tant qu'il fait pas son dash. Dès que tu vois que ton attaque passe pas, ça veut dire qu'il est en train de te dasher, du coup, faut que tu le sautes dessus. Ça c'est pour le petit penguin. Et non, on passe ça. Alors, comment ça marche? Bon. Ok, ça lance la main. C'est bon. Alors j'en ai sorti une ou quoi? Ok, j'ai besoin de munitions. Qu'est-ce que tu veux là? Boba Fett les missiles ou les bouboules? Les bouboules font plus de dégâts. Le touche pas tant qu'il a son armure. Tant qu'il a son armure, tu te laisses te faire frapper. Pour déclencher la cinématique avec 0. Ok, on redéfonce comme à début. Ouais, c'est normal. T'as bien 0, tu joues bientôt, tu pourras le battre, mais. Ouais, c'est les missiles. Et après, c'est les missiles. En fait, il y a des. Non, pas les missiles, les boulettes. Les bouboules, les moules de l'armée, c'est super fort. Les bouboules? Comment ça? Ouais, des petits boss. Les coups? Boba Fett, emmerder les flics. Oh, Boba Fett, pas mal. Les bouboules, c'est trop violent. Après, c'est vrai que si t'as pas de vie, il vaut mieux tenter les bouboules. Bah, t'as toute ta vie au bout. Mais oui, non, c'est vrai, t'as toute ta vie. C'est mal. Je l'ai fait celui-là? Non, elle l'a pas fait. Pourquoi il l'a pas fait celle-là? Ah là, oui, c'est envie d'abord. Attends, Wester, on est en train d'essayer de comprendre comment marche le putain niveau de chip de lui parce que ça m'énerve. Je vais aller. C'est vraiment un niveau. Non, zéro. Je pense que je vais regarder Warwick en parce que c'est plein d'endroits où je peux optimiser. Ouais, Je sais pas si vous me les yeux, mais il va me donner des strats, c'est sûr.
il va changer ta coupe de cheveux aussi. Ah ça c'est compliqué. Ah puis en plus ça sent trop long, je veux que j'ai l'air d'un tonneau là avec ma barbe. T'as peine de plus. Ah ouais, ouais. Y'a moyen de les one shot ces putains de robots lanceurs de boules de neige? Non. Donc c'est de la merde. Mais tu les cours un peu quoi. Ou tu leur sautes par dessus? Ah mais tu sors ça. Tu leur sautes par dessus? Ah ouais y'a moyen. Tu le mets au bout de leur plateforme, ils peuvent pas te toucher je crois. Mais vraiment au bout, bout. Mais après moi je marche les bourres avec le buster. C'est du tout relou les bumpers que t'envoies dans les lasers. Je vais aller regarder la vidéo du Vendrecord sur au moins sur ce niveau là parce que je suis perdu. J'arrive pas à optimiser ce niveau. Suspense d'effet, droit 8-7, t'as une. Ouais c'est bon. Après sur la vérité d'effet, c'est une tire de ce pédoran. Après j'ai fait circuit. Ce pédoran. Non pas le 100%. Ah mais je veux juste. Ok, j'ai aucune idée de comment faire le passage après le. Après Boba Fett, à part en courant et en prenant 1000 dégâts quoi. Non, en fait tu charges l'arme du caméléon et tu fais un vulnérable pendant. Ouais d'abord il faut. Avant ou après? J'ai fait le trampoline. Le trampoline, il faut dasher sur le trampoline et tout va pour le mieux. Ah ça te même peut pas te toucher. Ouais ils peuvent pas te toucher si tu dash sur le premier trampoline, ils peuvent pas te toucher après. Tu vois. Ouais c'est ça. Mais après quand tu dois remonter là, il faut utiliser l'arme chargée du camion. Soit tu utilises deux fois, soit tu gères comme un fou, soit tu fais tout par contre. D'accord, parce que je peux charger des attaques spéciales maintenant. Ouais maintenant que t'as battu comment il s'appelle Boba Fett. Bah tu peux Et donc si je marche sur les armes, c'est un petit protection et je vais passer Ouais si. T'attends que tu charges jusqu'au violet et après tu utilises l'arme de l'arme verte avec ça. Et l'arme qui va charger ça fait un vulnérable vide. Non j'ai mouru. Moi bon, je suis arrivé quand même jusqu'au boss et j'ai battu le boss tout en courant. Ah oui effectivement la technique je dash je la remarque c'est ça. C'est ça mais... Ah 08 ça les déconne tout ça en fait. Donc on a à peine la pression. Il est con ah oui, Kitchen. C'est maintenant que tu me découvres. Non mais à chaque fois. Non mais de toute façon à chaque fois qu'il crie t'es obligé de faire la même chose. Alors, moi en ce moment en tout cas. Laisse-moi deviner Tifa, je croyais que c'était quelqu'un de bien. Je crois que t'étais quelqu'un de bien. Mais je suis un peu choquillès. Choquillès. Pour rien si un mec a arrêté le plus, je sais plus si c'était un speed game, il disait qu'il a arrêté le plus grand de Megaman parce qu'il s'était chopé une tendinite et qu'il pouvait plus faire. Je sais plus qui c'était, mais c'est un mec, le mec qui joue torse nul. Je crois que c'est lui. On s'en souvient tous. Tu joues torse nul? Ouais, comment il s'appelle déjà? Il joue à Secret of Evermore. Oui, c'est ça. Ah, comment il s'appelle? Oui, Voilà.
Oui, c'est ça. C'est assez bon. Ah, c'est pas ce que je pensais. C'est ça. Il me fait trop marrer le mec à mon record quoi, parce que c'est vrai, officiel en tout cas Caleb. Parce que le mec il joue à moitié assis sur son lit, c'est genre complètement à l'arrache. Et pour regarder son timer, il doit se poser, il met une carte sur son épaule et pour regarder. C'est n'importe quoi son setup. C'est trop marrer. C'est son PC qui a le plus de la peur. Yes, bébé. T'as combien? J'ai pas encore fini le jeu. Non, je sais, mais. Là, j'ai battu le troisième boss, donc là, je suis au 6-1. Quoi? Tifa, il va nous sortir la tête. Ça va. Il va faire un set 10 dans la journée, ça va. Non, je suis à 11 minutes déjà. Dans la journée, c'est rapide maintenant. Je sais pas combien de temps je vais jouer encore. Arrêtez là, merci. Non, je me fais. Bah. Tellement démonté. Ah non, mais je le passe en bas moi. Non, tu pas le c'est le vol qui t'impressionne? Non, c'est la vitesse. La vitesse de quoi? Bah, je cherchais un moyen de passer les bûcherons safe et tout. Je voulais voir comment il optimisait ça, mais. Ouais, non, les bûcherons, ouais, ils mais... Ils passent. Ils s'arrêtent jamais, c'est n'importe quoi. Moi, ça, c'est pas grave. Bah, moi, sur les bûcherons, je me laisse prendre des lumières. Bah, il suffit de tirer un gros moment. C'est quoi, c'est. Il suffit de savoir jouer, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Bon, je regarde pas vite le nouveau record. Je vais pleurer la race. Je pleure pas. Ah, un truc qui est vraiment dur, par contre, cette fois, il one shot les mobs avec un long glace. Parce que. Enfin, il touche shot en fait. Et ouais, en fait, il touche avec les 5 rayons. C'est dégueulasse. Comment ça? Bah en fait si tu fais rentrer le mob au moment où ton rayon de givre touche le bord de l'écran, et bah le mob va se prendre le premier hit du givre et les 5 réflexions. Il prend 6 de ouais. Givre. Et du coup il. Du coup ah, les mobs ça, les mobs du début de mandrille en fait il les défonce en deux coups pour ça. C'est complètement pété. J'ai réussi à le faire genre 2-3 fois mais c'est super. Y'a combien de niveaux déjà? 14. T'as fait en drive. Bah jusqu'à combien déjà le cœur 3 là? 14. Sérieusement. C'est au 7-2, 7-3 ou il y a 8? Je sais pas. 3-3. Et du coup le passage après Boomer tu fais quoi? Tu rends un invincibilité. C'est quoi cette araignée? Mais c'est pas un boss que je vous ai tué. Non pas du tout, et bah tu vas galérer là. Il est pas gratuit hein. Ça marche comment l'araignée? Tu vas voir et tu vas comprendre que non, mais je veux dire, fais une save state avant. Ouais, je suis au boss de fin. Y'a une arme à utiliser contre elle ou? La glace. Mais moi je la fais au buster. Enfin, ça dépend des fois en fait. La glace ou le buster. Ça dépend de ton courage. Et de tes points de vie aussi. Non, la glace c'est pas dur. C'est la glace chargée qui est dure. Ah oui, c'est vrai que dans le World of Warcraft, il charge la glace. Ouais, c'est ça qui est dans la glace, tout le monde, c'est là, c'est super. Juste à te mettre un ouais, mais la glace chargée, c'est plus dur que ça en fait. Je pensais que c'était un peu plus dur, mais en fait, ça va. Faut juste la glace chargée, faut juste créer le pingouin en plein milieu de la
Bah sur le boss. Mais ouais, c'est bien ce qu'il faut, comment dire, il faut... il faut voir la matrice. Non, faut pas... faut savoir où va apparaître ta règle. Bah ça, c'est très du... avec l'expérience, la règle, c'est moi de la grande ici. Putain, le saut. C'est sûr qu'au début, c'est chaud. Je suis mort sur le boss de fin. Putain! Ah là là! Non mais attends, Tifa, t'es sérieux là? Bah oui. T'es au boss de fin.